comment caractériser le travail avec Claude Lanzmann, son rapport à la mise en scène, et aussi un élément de cette mise en scène, de cette présence aussi de son propre corps à l'image. Une aventure à la fois vivante, singulière, cinématographique, parce qu'il faisait de la cinématographie, c'est ce qu'il dit exactement dans Napalm. Je n'arrive pas à dissocier, par exemple, vous me diriez quel est l'outil fondamental de Shoah, je dirais peut-être l'enregistreur, peut-être la voiture. Je veux dire, les kilomètres et les kilomètres que nous avons parcourus, tous ces travelling en voiture dans lequel il conduisait lui-même, ce travelling incroyable dans Shoah, où sur la voie de Philippe Müller, on se rapproche des chambres à gaz. C'est Claude qui tenait la voiture, donc c'est lui qui faisait le cadre en quelque sorte.